れると言ったら止めるんだ。ここでやられるわけにはいかないんだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo présentation des deux frères défenseurs dans Golden 23, si je dis pas de bêtises, oui, Golden 23. Yuji Soga, nouveau joueur dans Captain Tsubasa Dream Team, et son frère Igawa. Igawa qu'on connaît, hein, bien évidemment, qu'on a eu lors du dernier anniversaire que j'ai le plaisir d'avoir. Malheureusement Soga ne sera pas dans un step dédicace à Attack on Fire, hein. Donc c'est dommage, donc ils sont là, on va les détailler, on va les voir, on va les... Ah d'accord, donc on a aussi le Hakai vert dedans, le Hakai DC, ouh, le Naturezza en write-up, ça fait plaise. Et leur TS est à 5, niveau 5, donc c'est bien pour commencer. Tu remets 5 ballons chacun pour faire la coupe light en ce moment là, pour essayer d'avoir le Brolin et quelques Dream Ball, etc. Quelques bonus lors du PVP. Voilà, donc tout le monde s'inquiétait qu'il n'y allait pas avoir de Dream Co. Et bah si. Si, ils sont là les deux nouveaux japonais, donc un bleu, un rouge. On va commencer par Soga, hein, honneur au nouveau, donc bleu, 1182 endurance, Rising. Ah donc lui il est Rising Sun, il n'est pas Golden 23, d'accord, parce que quand il apparaît la première fois, Soga c'est dans Golden 23, un joueur qui a joué au Brésil, je crois à Vasco de Gama, si je dis pas de bêtises, et que... coach Gamo veut absolument convaincre de rejoindre la sélection japonaise. Donc voilà, il y a aussi une histoire avec son frère Igawa. Donc voilà, allez, 17 412 en attaque, 6 minutes en passe, donc assez bon en passe pour un défenseur. 24 052 en défense. C'est dommage qu'il n'ait pas milieu défensif. Défenseur et milieu défenseur en même temps, double poste quoi, voilà, je vais y arriver, double poste, c'est dommage, c'est vraiment dommage que ce soit pas double poste. Bon, contre, il a 7793, c'est bien, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, il a vraiment les stats fortes d'un vrai milieu défensif, un tacle et une interception, donc 8000 et 8181 en interception, c'est très très fort. Rapidité, il a 8057, donc parfait pour le tacle. 6005 en puissance et malheureusement que 2700 en technicité par rapport à l'interception, c'est un petit peu dommage. Il donne à tous les joueurs JAP 15%. Donc voilà, que tu sois bleu, vert, rouge, ce que tu veux, ça c'est pas mal, pas mal. Voilà, pas mal. Bon, même si c'est moins fort que les premiers japonais qui sont sortis lors de cet anniversaire, mais ça reste pas mal. Parce que bon, après, c'est vrai que les premiers japonais à être sortis, c'est par rapport à la couleur. Là, il n'y a pas de couleur. Voilà, donc, c'est déjà un peu obsolète. C'est un peu obsolète. En plus, les japs avec la couleur, il t'en faut juste 5 minimum. Donc, très facile à trouver. Et après, bah, après tu mets les couleurs que tu veux. Ok. Coup incendiaire, moins il a d'endurance, plus l'intensité de la TS augmente 40% au max. Je suis pas fan de ce passif. C'est le même passif que notre ami, comment il s'appelle déjà, notre ami Jito Dreamfest. Je suis pas fan. En fait, j'aurais préféré le contraire. En fait, j'aurais préféré plus il a d'endurance, enfin plus il a de stam et plus l'intensité de sa TS augmente quoi, entre guillemets, et la plus forte, un peu comme notre ami le nouveau Hernandez Rising Sun par exemple, ou le nouveau Tsubasa aussi qui est magnifique d'ailleurs. Je suis pas fan du coup incendiaire, voilà, je sais pas, dites moi ce que vous en pensez, mais je suis pas fan. Après c'est vrai que 40% c'est beaucoup,
40% c'est beaucoup, mais il te faut de la stam pour la lancer la TS. Vu la, combien elle coûte, le tacle farouche 405 pour 455 d'intensité, c'est bien. Interception 450 pour 365 de stam, c'est pas mal aussi. Interception héroïque. Contre de haute puissance A80, ça peut le faire. Et la passe puissante pour la relance, c'est bien, c'est bien. Il a des bonnes stats. Enfin, il a des bonnes TS, pardon, qui ont l'air vraiment très sympathiques. Voilà, très sympathiques. Pas besoin de mettre. J'ai l'impression que même une. Si demain il a un contre S, je suis pas sûr que ça fasse le café. Je sais pas sûr. Les potentiels. 15% de chance de déclencher une technique spéciale lors d'une interception théorique d'un allié. Oh! Avec au moins 3 joueurs non jouables de Tibitia dans l'équipe. D'accord. Donc il te faut minimum 3 joueurs non jouables bleus dans ton équipe. Et si tu as ça, ça débloque ce potentiel, le lien. Et là, tu as 15% de mettre une interception automatique pour n'importe quel de tes joueurs sur le terrain. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est énorme. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Paramètre plus 4% pour tous les joueurs avec précision. Et précisément 2. Donc il te faut. En fait, il te faut des joueurs. Il te faut des joueurs brésiliens. Quoi, bleu, c'est ça? Voilà, bleu. Voilà. Le top, ce serait d'avoir 3 joueurs brésiliens bleus. En fait, lui, il est parfait dans une équipe Jap Sudam. Et surtout brésilien, en fait. Voilà. Il te faut des brésiliens bleus. 3 minimum pour vraiment optimiser le truc quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Et en plus tu prends 4%, c'est pour toute l'équipe, c'est énorme, hein. Pas mal ce Soga. Raccourci de 80%, un peu comme le Igawa, le premier Igawa qui est sorti. Parfait, j'aime bien. Récupération, j'aime bien. Courage. Et même si c'est très important, tu peux lancer une TS, ça c'est bien. Ça, c'est, bah, en fait, ça va avec son passif, en fait. C'est avec son passif, tueur de tir. Face au tir flottant haut, paramètre plus 30%. D'accord, ouais. Oui. Bah, il suffit que le mec, il tire au sol ou balle basse. Il profite pas de son paramètre, donc... Ouais, oui, je suis pas énormément fan. Et il te faudra des pièces Okawa. Et non, c'est pas Okawa, nos amis d'Okawa qui font des super goodies. Tsubasa, des maillots, etc., etc. Dédicace à eux d'ailleurs. Bon, pas très compliqué à avoir. Hein, pas très compliqué à avoir. Donc, si tu drops le Soga, bah, tu vas le full potentiel assez rapidement. Donc non non sympa le Soga mais voilà c'est vraiment pour jouer dans une Jap Sudam. Voilà, une Jap Sudam. Igawa rouge, voilà. Donc deuxième Igawa du jeu. Si je dis pas de bêtises. Hein. 1145 Rising Sun. 15273 en attaque. 7000 en dribble. Sinon le reste c'est assez faible, donc tu vas peut-être lui mettre un dribble pour t'en sortir. Surtout si le défenseur en face de toi il n'est pas fort. Par contre 24 445 en défense, 6 600 en tacle, c'est tout. Donc je suis un peu déçu par rapport au tacle. J'aurais préféré qu'ils enlèvent un tout petit peu dans l'interception et vraiment équilibrer un peu les choses. Contre 8 176, bien. Interception 6666, c'est ouf. C'est très fort à l'interception, mais est-ce que pour un défenseur, est-ce que l'interception est entre guillemets primordiale, surtout en plus pour un défenseur central, je sais pas. Plus pour un défenseur sur un côté, oui, pourquoi pas. Mais vu qu'en tacle, il est pas terrible, donc ouais, donc lui sera central en fait. C'est pas un tacleur en fait, c'est. C'est en fait, il va falloir mettre son frère et lui, et il faut que quand tu sois en duel avec un attaquant, il faut que son frère soit en premier et toi en deuxième. Parce que tu pourras, ton tacle, à un moment, enfin, si tu tombes sur un gros dribbleur, bah, le jour passera et. Bref. Il faut que lui soit en second couteau dans un duel, le gars, j'ai l'impression.
un mental aiguisé en Argentine. Ah oui, c'est vrai qu'il était. Oui, c'est vrai que sa femme, la femme de Diawa est d'origine argentine. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ils ont une fille ensemble, mais sa femme est morte dans le manga. Donc désolé si je vous ai spoilé, mais au bout d'un moment, les gars, faut lire Golden 23. Donc lui donne à 15% pour les Japs, donc le même leader skill que son frère. Donc voilà, donc attends, ça nous fait combien ça? Ça nous fait 30. Ouais, donc ouais. Oui, j'aime bien, mais bon, ça y est, c'est presque obsolète maintenant ces compétences, ces leader skills. Passif. Au moment d'une interception à contre-automatique l'aspect. Hein. Donc 60% que l'interception se déclenche ou le contre. Un peu comme je crois Radunga, le même Radunga Dreamfest. Si je dis pas de bêtises. Interception balle de fusil, on connaît. 370 pour 455 de stam. Contre balle du fusil, on connaît aussi. On aurait voulu des nouvelles TS, mais bon, voilà. Tacle balle de fusil à 80. Donc c'est vraiment. Je trouve que les TS sont vraiment bien répartis par rapport au stats. Hein. Contre-interception, voilà. Contre-interception en S et le tacle en A. Si vous avez un Igawa doublon. Comme moi d'ailleurs, je l'ai en doublon, vous pouvez lui mettre le tacle S, pourquoi pas, mais ça serait pas mal qu'il ait un dribble pour s'en sortir parfois, ça aurait pu être sympa pour lui. Je pense que comme son frère, voilà, 15%, par contre lui il faut des japonais, voilà, il faut au moins 3 japonais type force, donc déjà là c'est mieux parce que bon, des japonais force très très fort on en a, par exemple notre ami. Par exemple, un défenseur force très très fort, t'as le Ishizaki World Juice. Oui, le World Juice qui est très très fort, très très chiant. tu as aussi le, comment il s'appelle? Le Hakai potentiel, super fort double poste, vraiment que je kiffe. Lui aussi, donc voilà, déjà, tu vois, ou sinon t'as le Tsubasa V2. Par exemple, le V2, t'as le Misaki Dreamfest, t'as le nouveau. Normalement, t'as le nouveau. Ah non, non, je crois que lui, il est bleu. Je parlais de. Je pensais au. Comment ça s'appelle? Je pensais à Yuga. Le nouveau Yuga, mais il est bleu, il est pas rouge. Bref, c'est très facile à trouver. Hein. Déjà, pour rouge, très très fort. Là, j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est assez facile à trouver. Et là, c'est pas mal. Et là, tu peux lancer des interceptions automatiques. 15% de chance de lancer une interception automatique, même si ton joueur ne l'a pas. Tu vois, même si ton joueur n'a pas d'interception ou n'a pas le passif d'interception automatique, grâce à ce lien, il peut l'avoir. Il peut lancer l'interception automatique de 15%. Et ça, c'est très fort. C'est pour ça que le Igawa, il est parfait pour une Jap, voilà, une vraie Jap, quoi. Bon, après, dans l'idéal, c'est rouge, mais si tu as les bons leader skills, tu peux optimiser tout ça. Par contre, voilà, il te faudra deux joueurs argentins dans ton équipe. Voilà, donc ce qui serait parfait, par exemple, bah, Argentin, c'est soit tu as un Galvan, par exemple, tu peux faire une défense avec lui et Galvan, pourquoi pas, et bien évidemment, je pense que l'Argentin le plus fort après le Galvan, bien évidemment, je parle du Diaz, le nouveau Diaz 2020, qui est dingue, qui est complètement dingue, donc voilà. Donc, il y a moyen de faire un truc sympathique avec ce Igawa. Donc 80% de récupération comme son frère, tueur d'attaquant 15%, ça c'est pas mal, et lui aussi tire flottant haut comme son frère 30% si tu veux faire une reprise balle haute. Il te faudra des Okawa pour finir le potentiel. Non, c'est des bons joueurs et tout. Voilà, c'est des joueurs qui vont devoir jouer avec des équipes hybrides. Soit Jap Argentine, soit Jap Brésil. Après, comme ça, je sais pas lequel je choisirais. Franchement, je sais pas. Je sais pas lequel je choisirais. Mais bon, bref. Voilà les gars. Le Napoléon World Cup, il est là. Mais malheureusement, comme vous le voyez en bas à gauche de la bannière, DB payé uniquement 10 steps, voilà. Donc si tu veux ton Napoléon, en espérant qu'il soit fort, bon, c'est vrai que le Genzo a été respecté.
Voilà, Faudel a 20, il a été respecté, il est très très fort. Donc ça vous a, pour ceux qui ont pool, ça a coûté 205 Dream Ball. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc normalement, s'ils font exactement le même palier que Genzo, tu peux essayer d'avoir tu peux essayer d'avoir le comment il s'appelle? Le Napoléon dans le step 5, step 5 SSR garanti, pas forcément le nouveau, pas lui, mais SSR garanti. Et je crois que c'est. J'oublie combien de Dream Ball ça coûte en Dream Ball, en Dream Ball P, j'ai oublié de. Je sais même pas s'il y a le. Non, non, il n'y a pas. Bon, bref, voilà quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Après, pour les cash players, eux, c'est parfait. C'est parfait. Ils vont voir leurs joueurs coûte que coûte. Donc, si tu le veux, c'est un petit peu plus que 90 euros. Voilà, 90 euros, tu as ton Napoléon. Par contre, ils disent pas la couleur. Pour l'instant, on n'a pas de couleur. Il sort quand? Il sort. Attendez. Attendez, on va voir ça. Il sort le 17. Il sort dans 2 jours. Dans 2 jours, il sort le Napoléon. Donc je me demande Pierre comment le Pierre va sortir. Je suis un petit peu, je reste campé sur mes positions par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils mettent des paliers payants pendant l'anniversaire. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est vrai que pour les cash players qui ont l'habitude de cash play pendant les anniversaires et qu'ils n'ont rien eu, là, tu es sûr d'avoir ton joueur. Quoi qu'il arrive, avec 90 euros de pack, tu es obligé d'avoir ton joueur. Pour ceux qui jouent Europe, je pense à mon ami Atsushi, je sais pas s'il va cash play là pour avoir ce Napoléon qui m'a l'air d'être très très fort. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Donc voilà, donc on termine la vidéo sur cette note-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous pour la présentation du Napoléon. Ciao, ciao!